pouvoir représenter mon territoire en France lorsque je me déplace, mais aussi partir à la rencontre des personnes, c'est vraiment quelque chose qui fait grandir et un réel plaisir. Je suis née ici, donc j'ai été vraiment baignée dans le territoire havrais, une havraise de pure souche. Même si je suis partie à Paris pour mes études, je rentre tous les week-ends. Dès que je peux, je rentre au Havre. Alors j'ai une chance, c'est que je suis très bien entourée. Mon coach de club qui m'accompagne constamment. Et j'ai une coach mentale qui m'aide maintenant depuis bientôt 3 ans. Ça me permet de travailler des points sur lesquels j'ai plus de difficultés. J'aime bien respirer, faire de la cohérence cardiaque, souvent en compétition, pour se calmer. Après, niveau petit déjeuner, je suis assez régulière, je mange tout le temps la même chose. C'est rare que je change, à part quand je fais des petits déjeuners plaisir, où du coup je prends du pain. Mais sinon, c'est très flocons d'avoine, yaourt et fruits. Sportivement, ça a été de passer des caps, d'avoir des déclics techniquement et de pouvoir aller chercher vraiment certains points qui m'ont mené à de magnifiques victoires, comme par exemple le titre de championne d'Europe. Ça a été magique, en plus il a été fait en France, donc ça rend encore la chose plus belle.